Et c'est l'heure de l'interview d'actualité. Ce matin, Julien, vous recevez Claire Hédon, c'est la défenseure des droits indépendante du gouvernement et qui œuvre au quotidien pour la défense des personnes dont les droits ne sont pas respectés. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc la défenseure des droits et notamment des droits des enfants, ce qui nous intéresse particulièrement en cette rentrée scolaire. Et vous avez déclaré lundi dernier à la radio, il y a des enfants qui jeudi matin n'iront pas à l'école. Est-ce que votre inquiétude se confirme aujourd'hui ? Oui, absolument. Et c'est ce que nous voyons dans les saisines et les réclamations que nous recevons, à la fois, vous l'avez dit, en tant que défenseur des enfants, mais aussi de la lutte contre les discriminations. C'est des enfants en situation de handicap qui ne vont pas faire de rentrée scolaire pour plusieurs raisons. Mmh. En fait, très souvent, la MDPH, c'est-à-dire la maison du départementale des personnes handicapées, a attribué à cet enfant une AESH, enfin à notifier la nécessité d'une AESH. Alors AESH, c'est l'accompagnant d'élèves en situation de handicap, anciennement AVS. Exactement, qui sont dans les écoles en soutien. Et en fait, malgré cette notification, l'attribution ne se fait pas par problèmes budgétaires, manque d'AESH, on y reviendra parce que c'est aussi les conditions dans lesquelles ces personnes sont recrutées et travaillent. Et donc l'enfant ne pourra pas faire sa rentrée scolaire. Donc, dans les réclamations que nous recevons, c'est des situations où il n'y a pas d'AESH attribué, pas sur un temps suffisamment long, les remplacements quand l'AESH est malade qui ne sont pas faits. Et ce qu'il faut vraiment voir là-dessus, c'est que ce qui doit primer, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et là, il n'est pas respecté, et non, très clairement. Trop souvent, en fait, on demande à l'enfant de s'adapter alors que c'est à l'école de s'adapter à l'enfant. Alors, pourquoi l'école ne s'adapte pas ? Pourquoi il n'y a pas assez, justement, d'accompagnants ? Dans ce rapport, il n'y a pas de critique, je dirais, ni sur les enseignants, ni sur les AESH qui cherchent à faire au mieux. Nos recommandations s'adressent au ministre de l'Éducation et au ministre des Solidarités sur ce qu'il faut faire. Alors, effectivement, il n'y a pas... En plus, je voudrais aussi dire que l'AESH n'est pas l'alpha et l'oméga et la seule solution. Il y a une école inclusive qui tient compte de l'enfant. Ça veut aussi dire des enseignants formés au handicap. On démarre notre rapport avec un exemple d'un enseignant qui, sur un enfant qui n'est pas accompagné par une AESH, alors que ça avait été prévu par la MDPH, s'est dit, il est en train de décrocher, il faut que je m'adapte, il faut que j'adapte mon enseignement et les exercices que j'ai à faire à lui pour l'ensemble de la classe. Et il s'est aperçu que ça bénéficiait à l'ensemble de la classe. Vous voulez dire qu'en incluant juste cet enfant handicapé, toute la classe se met au diapason et ça sert tout le monde. Et ça sert tout le monde et ça fait progresser tout le monde. Et cette question de l'inclusion est vraiment absolument essentielle. Alors après, pourquoi ? Il y a des raisons budgétaires sur lesquelles on n'a pas d'assez d'AESH. Et puis des questions aussi de leur statut. Généralement, ce sont des femmes qui sont sur des contrats de 24 heures, ça veut dire c'est 60% d'un temps complet, donc elles sont en gros à 750-800 euros, avec souvent des horaires éclatés, enfin elles suivent plusieurs enfants. Donc il y a un problème quand même de salaire, complètement. On est bien d'accord. Il y a un problème à la fois de salaire, de revalorisation, de considération. Il leur faut du temps pour échanger à la fois avec les parents et aussi avec les enseignants. Et vous, en tant que défenseur des droits, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui nous regardent, ceux qui vous ont saisi, ceux qui vous ont appelé, écrit et qui ont un enfant en situation de handicap et qui concrètement, ne pourra pas être pris en charge par l'école. D'abord, c'est effectivement de continuer à nous saisir parce que c'est à partir de là qu'on fait un certain nombre de recommandations au gouvernement. Et puis, nous intervenons aussi par la médiation. C'est-à-dire quand on voit qu'il y a des difficultés de dialogue, par exemple, entre les parents, l'AESH, l'enseignant, le directeur d'école. Vous facilitez tout ça. Nous facilitons tout ça et nous intervenons par la médiation. Et c'est important de nous saisir. Ces questions de handicap et d'enfants handicapés intégrés à l'école, c'est 20% de nos saisines en droit des enfants. C'est énorme. Donc, je veux dire, c'est une... Et il y a eu des progrès. Je ne voudrais pas nier des avancées qu'il y a eu. Il y a plus d'enfants en situation de handicap qui sont scolarisés, il y a plus d'AESH. Mais nous, on continue à avoir des difficultés persistantes et je pense qu'il y a urgence à agir et que toute la société y a intérêt et tous les élèves y ont intérêt. Alors, ce qui est assez incompréhensible, c'est qu'il y a une loi qui existe, qui date de 1975, une loi d'orientation qui fixe une obligation de scolarisation pour tous les enfants en situation de handicap. Ça veut dire quoi ? Que la loi n'est pas respectée ? Absolument. Mais d'ailleurs, enfin, le droit à l'éducation, le droit à la scolarité, c'est un droit qui est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et effectivement, vous avez tout à fait raison de le dire, dans ces situations-là, il n'est pas appliqué. Et quand je vous dis que le seul curseur qui est intéressant, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, et qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est ça qui doit être notre guide, et non pas des contraintes à la fois budgétaires et de RH. Alors, on vient de parler du handicap, il y a un autre sujet très important que vous êtes amené à traiter, c'est le harcèlement scolaire. Je ne veux pas accepter que cette rentrée scolaire de demain soit synonyme de calvaire. Ce sont les mots du président de la République dans sa vidéo publiée hier sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce fléau. Il termine son tweet en disant « Vous n'êtes pas seule ». Est-ce que vous êtes satisfaite de cette prise de conscience du président ? C'est très important
d'en parler, cette mobilisation est absolument capitale. Ce que j'observe dans les réclamations qu'on reçoit, c'est d'abord, en fait, on tient assez peu compte de la parole de l'enfant. Mm-hmm. Très souvent, il y a eu des signes précurseurs, il a cherché à parler, et on lui reproche plutôt de parler trop tard, alors qu'on ne l'a pas écouté. Et, à parler à qui ? À l'école, aux encadrants ? À l'école, à tout le monde, en fait, que ce soit les parents, les enseignants, l'école, et qui, en fait, cette manque d'écoute de la parole de l'enfant, mais sur tous les domaines de la vie, fait qu'il y a un retard de prise en charge. Ça, c'est la deuxième chose. Nous, ce qu'on constate, c'est des prises en charge trop tardives. Et dernier point, en fait, il faut travailler sur la prévention. Et donc, la prévention, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on a des jeunes ambassadeurs des droits qui sont des services civiques qui vont dans les écoles parler aux enfants de leurs droits, des droits de l'enfant. C'est l'occasion de parler du harcèlement. Les cours d'éducation sexuelle à l'école qui sont inscrits dans la loi. Il y a un rapport qui a été fait qui n'est toujours pas publié. Et en gros, ce dont on s'aperçoit, c'est que seulement 15% des cours d'éducation sexuelle à l'école sont effectivement faits. Et vous voyez bien que la vidéo du président de la République, elle démarre sur une menace de viol. Donc cette question d'éducation à la sexualité, elle est absolument nécessaire. Il faut faire de la prévention, former les enseignants au repérage des signes, et c'est important d'en parler, il faut libérer la parole. Et il faut nous saisir. Vous êtes là pour ça. Mais on est là pour ça, on est compétent. De nouveau, à double titre, protection des droits des enfants et lutte contre les discriminations. Le 3928, vous nous appelez et on peut vous aider. Il y a d'autres numéros, le 3020, notamment en cas de situation de harcèlement à l'école. Il y a le 3018, le numéro pour les victimes de violences numériques. Je voulais terminer par ça. Parfois, le harcèlement, on le sait, ne s'arrête pas à l'école et ça continue à la maison, contrairement à quand on était petit. Et vous avez tout à fait raison. Avec de les dire. Réseaux sociaux, on fait comment ? Est-ce qu'il ne faut pas incriminer aussi tous ces réseaux sociaux ? Et ce qui est très intéressant, c'est que l'école, du coup, au bout d'un moment, dit mais ça part sur les réseaux sociaux, c'est plus notre domaine, on ne peut plus rien faire. Mais ça a démarré à l'école et l'école est aussi responsable de ces situations. Et effectivement, enfin, moi, je crois qu'à une chose, c'est à la formation à la bienveillance des enfants, l'éducation au droit, à la sexualité, c'est ça qui permet à la fois de libérer la parole et d'éviter que ça se reproduise. Eh bien, merci beaucoup. Le 3928 pour nous. Le 3928 et puis les autres numéros, effectivement, le 3020 et le 3018. Merci beaucoup, Claire Hédon. Je rappelle que vous êtes défenseur des droits d'avoir été notre invitée en ce jour de rentrée.